Comment ne plus jamais être addict aux réseaux sociaux? La technique que je vais te partager aujourd'hui m'a permis de réduire drastiquement mon temps passé sur les réseaux sociaux. Et cette technique, je l'ai découverte après avoir vécu pendant plusieurs jours les effets négatifs du cercle vicieux de la distraction. Ce cercle vicieux de la distraction s'illustre de cette manière. Au départ, tu es plein d'énergie, plein de bonne volonté, plein de motivation et tu commences donc à réviser. Ensuite, tu commences à en avoir marre. Puis tu regardes un peu ton téléphone, puis tu t'allonges, puis tu te rends compte que tu as passé beaucoup trop de temps sur ton téléphone, et ensuite tu te remets à travailler, mais il est très tard. Donc résultat, tu dors tard et tu es fatigué le lendemain, et ça sera donc de plus en plus difficile de résister à la distraction. Et donc pour éviter ça, tu peux faire une chose très simple, qui prend que 2 secondes, et qui est très efficace, c'est la suppression planifiée. À chaque fois que tu sais que tu ne peux pas te permettre d'être distrait, supprime tes réseaux sociaux qui sont les plus addictifs de manière temporaire. En attaquant directement la source de ton addiction, tu t'assures en fait de briser ce cercle vicieux et de ne plus jamais tomber dedans. Et seulement après avoir fini ton travail, seulement après ton créneau horaire sans téléphone, tu peux te permettre de réinstaller les applications. Ça te prendra seulement quelques secondes en plus, mais ça te sauvera des heures de révision en plus.